Toulouse 12e accueille Montpellier 9e. Les Toulousains ont remporté un match sur les 5 derniers. 4 défaites accompagnent cette victoire. Il faudrait donc reprendre des points pour le TFC. Aborlal, Van Den Boomen et Dalingra sont titulaires. Montpellier de son côté n'a pas fait le moindre match nul depuis le début de la saison. 4 victoires et 4 défaites. Omlin et Mawassa sont absents. Camara est donc dans le but. Khazri, Savanier, Nordin et Wahi sont présents sur le terrain également. Montpellier va vite de l'avant dans ce match. Le corner joué par TJ Savanier pour une reprise repoussée par le gardien. Et Nicolas Cozza en embuscade pour permettre à Montpellier de mener 1-0. Le défenseur montpelliérain est monté. Il est bien placé dans la surface pour inscrire son 2e but de la saison. Toulouse ne doute pas et égalise à la 18e grâce à Stein Spierings. Le premier but en Ligue 1 Uber Eats de Spierings. Bien servi par Shaibi. Le TFC revient une dizaine de minutes après le but montpelliérain. Toulouse récupère la possession du ballon, domine et trouve quelques belles ouvertures comme cette passe lumineuse de Van Den Boomen vers Zakaria Aborlal. 2-1 à la 24e minute. Le 3e but de la saison pour Aborlal. Passe fantastique du meilleur passeur de Ligue 2 BKT la saison dernière, Van Den Boomen. Il a battu des records de passes décisives et commence à en délivrer quelques-unes en Ligue 1 Uber Eats, notamment celle-ci. Olivier Dalloglio est très déçu de cet espace concédé par sa défense. Toulouse continue à attaquer. Van Den Boomen pour talonner. C'est limpide pour servir Fares Shaibi. Superbe but du jeune Toulousain, son 2e de la saison. 3 buts inscrits en 13 minutes par le TFC. Le match est complètement renversé. 3-1 pour Toulouse à la mi-temps. Au retour du vestiaire, Montpellier espère repartir de l'avant. Mais c'est toujours le TFC qui attaque. Nouvelle balle en position offensive pour les Toulousains. Sur le côté pour Silla. Le ballon est touché par Aborlal. Et l'action est conclue par Brest Deyeguer. Son premier but en Ligue 1 Uber Eats. 4-1 à la 48e minute. Retour du vestiaire difficile pour les Montpelliérains qui ont le mérite de continuer à jouer. Mikel Dessler prend un rouge pour Toulouse à l'heure de jeu et Montpellier réussit dans la foulée à réduire l'écart. 68e minute, Chotard trouve Eli Wahi pour son 5e but de la saison. Wahi réussit un début de saison formidable, mais ce n'est pas suffisant pour Montpellier qui a toujours 2 buts de retard et ce jusqu'à la fin du match. Victoire de Toulouse, 4-2 contre Montpellier.